Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro. Nous sommes vendredi 16 août de l'année 2024 et la manchette du quotidien Maison d'Abaro pour démarrer cette revue des titres. Arrestation du frère Rouvi au Togo, nous avons besoin d'un éclaircissement sur les raisons de sa détention, exige Richard Boni. Pour réussir le combat contre l'extrémisme violent dans l'Atakora Danga, la Novetège et le PNUD impliquent les chefs religieux et communautaires. Dabaro agréé par Akou, atelier sur les innovations en conservation oignon et de pommes de terre, ce que les producteurs gagnent en adoptant ces innovations est à découvrir à la page 2 de ce journal. Exploitation des ressources forestières au Bénin. Ce que vous devez savoir sur les réglementations en vigueur est à découvrir à la page 4 de ce même quotidien. Le matinal de Lomé à Cotonou, l'arrestation de Frère Rouvi alimente la polémique créée. Le démantèlement du navire SPSL UDEM ordonné. Les avocats s'opposent et annoncent un appel. La Nation, programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Un progrès satisfaisant à mi-parcours. Lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Deux puissances militaires appuient les forces armées béninoises. La boussole déjà recherchée par la justice dans une affaire d'escroquerie de 55 millions de francs CFA. Septime Assogba, condamné par la CRIED à 5 ans de prison ferme dans un autre dossier de 181 millions de francs CFA. Fouille des téléphones portables de Frère Rouvi, panique dans la maison mouvance. Le vrai visage des collaborateurs de talent au grand jour. L'économiste commerce intra-africain, la ZLECAF, une opportunité pour les entrepreneurs. Développement inclusif et durable, le PNUD solidaire du Sahel avec la campagne « Je suis Sahel ». Passons à présent au quotidien décryptage info, marché d'obligations durables. La BAD octroie 400 000 dollars au Bénin pour la transition verte. Coopération sino-africaine, la Chine et 26 pays africains valident un plan de transformation numérique. Le soleil Bénin Info a fait Narvi échouer à Fidrosset. La justice ordonne le démantèlement. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison d'Abaro, 5e anniversaire. Du décès de Séro Guidet, les hommages des artistes Barasounan et Kalamoulaye. Santé nutritionnelle et éducation des enfants dans la Liborée, Dédras ONG présente les résultats de son projet par Messane. Sécheresse dans le septentrion, Abdourhab Gaba Saï tire la sonnette d'alarme. Musique au Bénin, Gobi, le titre de la nouvelle chanson de Aziz Touré. Appui des initiatives entrepreneuriales des personnes handicapées, le volet social du gouvernement en marche. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout d'être restés jusqu'à la fin. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Je veux nommer Ramdanato Soumano, Unis Senaron, sous la coordination technique de Sabio Chabi Adamo. Restez scotchés à notre chaîne de télévision pour la suite des programmes. À très bientôt.